Oh non, Charles, non. Me dis pas que t'es au lit avec les relevés de banque. Tu réponds pas? Non, dans 20 minutes, c'est demi-tarif. C'est pas grave, c'est ma femme parce que je suis à la bourre, elle rappellera. T'étais pas comme ça avant. T'es devenu radin. Oh, radin? Moi, radin? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi, je veux juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante, je te rappelle. Ça dit quelle heure, là? 11h10. C'est parti! Alors 11h22. À peine 12 minutes de Paris. Et enfin, en roulant bien, bien. Oh, regardez-moi cette véranda. Voilà, comme c'est lumineux. Oh, j'en ai mal aux yeux. Parquet Louis XV. 15. Mais il faut que ma femme visite. Surtout pas, malheureux. Faites-lui la surprise. Il y a le patron qui veut te voir. Qui vous a autorisé à visiter des maisons pendant vos heures de bureau? Je pensais pas qu'il irait jusqu'à te virer. Il faut pas prendre d'architecte pour faire des travaux? Surtout pas. Ou alors, moulot de mamie et de Pirelli. Des gars comme ça. Qu'est-ce que vous voulez comme travaux? Mais vous n'avez pas amené de plan? Ah, c'est que quand on est perdu qu'on a besoin de plan. Tu nous as dit qu'il fallait qu'on profite de la vie, alors j'ai acheté une voiture. Tu peux me passer 30 euros pour aller au ciné? Interdit bancaire. Oui, interdit bancaire. Plus de carte bleue, plus de chéquier. Non, mais les travaux coûtent beaucoup plus cher que prévu. Expliquez-moi pourquoi ça pend là partout. Qu'est-ce qui pend là partout? Mais là, les câbles, là partout, là. Ah, bah oui, bah justement, à propos des câbles, on voulait vous demander, voulez-vous les cacher dans un faux plafond ou comme ça, tout apparent? J'ai promis votre meilleure équipe! Mais c'est ma meilleure équipe! Prenez ces deux cachets, je vais vous mettre en arrêt maladie. Je peux pas être en arrêt, j'ai déjà arrêté. C'est la merde, on pourra jamais déménager aujourd'hui. Déménager, ça va aller, c'est emménager qui va être plus difficile. J'ai trouvé le gaz!